Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va reprendre, là on s'était arrêté dans notre World Food Company of Heroes Opération Market Garden, deux extensions opposées in front, et nous étions arrêtés à Osterbeck. Donc la mission Osterbeck, donc ça veut dire que nous sommes à une mission où ce qu'on fera dans cette mission sera très important dans la, par la suite, étant donné qu'on reviendra sur ce champ de bataille. Donc je dis tout de suite. Donc, il est important de mémoriser que tout ce que vous construisez, il restera. Il y a d'autres missions, je précise avant de lancer les missions quand c'est le cas, parce que ça peut être utile, surtout en expert. Je viens surtout en expert parce que l'expert a quand même du challenge. Donc voilà. Alors, l'opération Market Garden est un nom de code qui réfère aux invasions aériennes et terrestres des Alliés aux Pays-Bas. La première division aéroportée britannique tente de capturer certains ponts du Rhin à Oosterbeek et à Arnhem. Le camp de groupe polaire est chargé d'intercepter par la justice britannique avant qu'il n'atteigne Arnhem. Nous cédons plus de 70 km par jour aux forces américaines et britanniques. À présent, ils veulent entrer en Allemagne. Leur porte d'entrée serait la Hollande. Les 1er et 3e bataillons de parachutistes britanniques avancent vers Arnhem. Et le 4e vers le pont ferroviaire près d'Oosterbeek. Les 82e et 101e aéroportées américaines foncent vers Best et Nijmegen. Ils comptent sur leur précieux 30e corps pour remonter l'autoroute 69 jusqu'à Arnhem, en unifiant au passage les zones de largage. Le Kampfgruppenheer doit entraver l'avancée du 30e corps et détruire les zones de largage de l'ennemi. Nous devons contrer l'opération Market Garden. Je veux vous dire aussi vous dire, je n'ai pas pu résoudre des problèmes de lag. Je n'y peux rien. Alors là, j'ai tout fait. Je suis à court d'idées. Si jamais il y a quelqu'un qui a une idée, par exemple, il y a peut-être un fichier du jeu qu'il faut tripoter. La tripoter. Qu'il faut bidouiller, qu'il faut modifier pour que ça aille mieux, dites-le moi dans les commentaires parce que là, je sais plus là. Depuis que je l'ai prise, depuis que j'ai la version Sega. C'est incroyable comme ça bug. Bon, je. Peut-être que c'est Fraps en fait. Je me suis posé la question, je me suis demandé si ça venait pas de Fraps. Parce que c'est déjà ce qui s'était passé dans Company of Heroes. J'avais changé le logiciel étant donné que Fraps avait du mal dessus. Donc je me demande si c'est pas le logiciel là. Bon, on verra bien. On va faire avec. Osterbeek, 3 km à l'ouest d'Arnon. Je viens de constater une chose. Oui, je viens de constater ça en fait, c'est que volume principal s'occupe aussi des volumes des voix des cinématiques. Prêts à intervenir. Grenadier à vos améliorations. Donnez-nous vos améliorations de la section. Cible repérée. J'avais une escouade ici. Allez, dépêchez-vous! Bien compris! On se met en route! On s'est fait mitrailler! Ils nous attendaient avec un Brent! Ne vous arrêtez pas! On doit atteindre le pont! Je pourrais rien, donc j'ai tenté de m'y habituer, j'aime pas un jeu qui lag, donc je vous le dis tout de suite. Mais bon, je vais faire de mon mieux avec les moyens du bord. On a nos améliorations. L'ennemi nous prend pour cible. Plus de contact. Descendez ces salopards. On va dire que ça rajoutera du change, mais bon, c'est voilà, des petits freezes. On attend les ordres. Et comme ça il y arrivera peut-être à toucher. Allez. L'ennemi est partout en bouger. Vous pouvez pas réussir. Ils sont partout. Mettez le pied au plancher et sortez-nous de là. Vous arrêtez pas les gars. On y est presque. Aligné. Ça
devrait le faire. Parce que j'ai constaté que le dernier coup que j'ai filmé, ça allait plus que ça. Donc, mais bon, c'est... C'est tant pis. On peut plus faire machine arrière, hein. Quand c'est comme ça, on doit continuer comme ça. Hein. Faites gaffe, les mitrailleuses font extrêmement mal. Bon, ça, vous avez dû vous en rendre compte. Hein. Vu les dégâts qu'ont subi mes véhicules en quelques secondes. Et mon mortier me semble. Une nouvelle unité ennemie a plié devant notre puissance. Ouais. Alors, très important, essayer de capturer plus de terrain et de faire le plus d'améliorations possible dans vos bâtiments. Parce que toutes les améliorations faites durant cette mission, vous n'aurez pas à faire quand vous y reviendrez. Donc, mine de rien, c'est quelque chose de non négligeable. Tout ce qui est de moins à faire, j'ai envie de dire, c'est toujours un plus. Surtout que les ressources ne sont pas transmises quand vous revenez. Je sais pas. En fait, je me mets le doute là. Je viens de resserrer, me mettre le doute. De mémoire, les ressources que vous aurez gagnées durant cette mission là, vous les aurez pas quand vous y reviendrez. J'ai un doute, donc je préfère éviter de dire une bêtise. Mais normalement, c'est ça. Donc. De toute façon, on verra bien qu'on... on y verra bien quand on y retournera. Ça se verra tout de suite et très rapidement, en plus. Ah bon. Ouais, c'est mine de rien. C'est bon, ça c'est un truc bon à savoir, en fait. Et je m'excuse aussi, je vous ai quand même légèrement spoilé sur le fait que je vous ai déjà dit qu'on retournerait dans cette mission. Honnêtement, je pense pas que c'était un spoil. Parce que disons que j'en ai déjà parlé avant, qu'on retournait dans des lieux qu'on venait déjà, donc... En fait, je vous ai spoilé plus tôt. Alors... Ah oui, c'est bon, pour vous dire que j'écoute très bien le jeu, j'avais oublié qu'il allait faire un Goliath. On est occupé. Bon, il y a une petite technique que j'évite d'utiliser parce qu'elle est un peu méchante. C'est en fait vous campez devant le bon et vous faites payer toutes vos troupes que vous avez là. Vous allez me dire pourquoi tu le fais pas Pas envie de leur perdre de temps. Bien joué les gars, bien joué. Maintenant que le pont est détruit, il est impératif d'étendre notre ligne de défense. La première division de parachutistes britanniques a suspendu son assaut. Ils doivent se regrouper. Hauptmann Berger, faites établir notre ligne de front à vos hommes et ordonnez à votre frère d'empêcher les Anglais d'atteindre Arnhem. On nous signale aussi que les parachutistes ont pris les hauteurs. Envoyez une patrouille dans le secteur. On doit avancer très vite et prendre ses positions. On ne sait pas quand les commandos vont renouveler leur attaque. Quand la zone sera sécurisée, la Luftwaffe enverra du matériel avec les sections de Fallschirmjäger. J'espère que Voss sait ce qu'il fait. Si on détruit ce pont, on va aussi se couper de nos renforts. Kampfgruppler, nous devons étendre nos positions défensives. Nous pouvons étendre notre ligne de front en sécurité. Des éléments de la première division aéroportée ennemie se regroupent à Osterbeck. Ils ont l'intention de dépasser Osterbeck et de percer jusqu'à Arnhem. Nous devons à tout prix protéger toutes les voies d'accès à Arnhem. Ce sont les routes principales entre Osterbeck et Arnhem. Ouais, bon, vous avez compris en fait. Force terrestre de la Luftwaffe en route. Bon, c'est...
Je vous déconseille de faire comme j'ai fait, j'ai tout capturé tout de suite moi, parce que mes missions sont... J'essaie de qu'elles soient le plus courtes possible hein, pour vous. Donc je me suis forcé donc à accélérer le mouvement, comme on va dire. Mais bon. Sherman ne résisteront pas à nos nouvelles grenades de char. Mais bon, nous aurons quand même un petit problème, c'est que nous devons prendre l'objectif secondaire, cette colline. Nos frères de la Luftwaffe sont prêts à être déployés. Je vous écoute, commandant. Il est temps. Les ralentissements sont de plus en plus gros. Voilà, que ce que je vous disais. Face Islos. Je me charge de l'entrée de l'unité. Va dans cette direction. De toute façon, il fallait bien qu'à un moment, on ait de l'action. Les terrestres de la Luftwaffe se préparent au combat. On agira à vos instants de dessus. Il nous reste du temps. Sécurisez la cible qui se présente comme objectif secondaire. Mettez en surmultiplié, je crois. Ou... Non. Ouais, c'est ça. On attend, riposté. On attend les ordres. 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 Et ici, vous pensez des grenades incendiaires. Bah bon, je m'excuse du bruit de Skype. J'ai oublié de couper. J'y ai pas pensé du tout que j'étais dessus en fait. Oui chef, on vous écoute. Bon, ça va peut-être vous déranger. Bon, le camp propeller a encore prouvé sa supériorité. Je ferai donc comme si personne m'envoyait ça. Tir ennemi, section de commando britannique en approche. Donc là je vais tenter un truc, je m'explique. Si jamais vous utilisez les... Il y a deux mitrailleuses ici. Si jamais vous... C'est pas vraiment de la triche mais... Vous les planquez dans les bâtiments, les... Les mitreuses, vous les aurez pas dans la mission dont je vous parle. Donc, je vais tenter. J'ai mis tour d'un bâtiment parce que c'est quand même plus pratique. Donc, je vais tester un truc. C'est que je prends en fait les mitrailleuses et je vais les positionner dans des routes où je sais que l'ennemi va arriver. Parce que ça reste ça après tout. Parce que mine de rien. Le... Je vous avais un peu cité les défauts de camp de groupe polaire. Peut-être son plus gros défaut, c'est le fait que vous n'avez jamais d'arme fixe. Pour vous, vous en fichez peut-être, mais bon. Donc voilà. Par contre, je vais faire une élite parce que Skype va sûrement nous embêter. Donc excusez-moi, en fait c'était des personnes qui me fêtaient en fait la nouvelle année. Hein. Pardon. On se déplace. Ah. Prêt, commandant. Voilà, c'est de les nouveaux ordres de mission. Il est temps d'y aller. Nos camarades signalent que l'ennemi a détruit un véhicule. Prêt compagnie pour de groupe d'assaut disponible. La RAF, l'arc du matériel pour les parachutistes britanniques. Arrêtez de laguer. Je vais apprendre tous les dépôts. Je vous donnerai une médaille. Derrière moi, les gars. Je sais plus où sont les suivants. Bon en fait j'ai compris en fait ce qu'il faisait autant laguer le jeu, c'est retour bureau. Le jeu n'est pas conçu pour un mode fenêtré et depuis que j'ai fait retour bureau ça va sûrement être problématique pour nous tous. Pardon encore une fois, pardon. Réparation avancée. Là. On se met en route. On est attaqué. Les frères de la Luftwaffe se rassemblent pour le combat. Voilà, véhicule touché. Les gens ont l'air normal. On se
Nous avons détruit une unité ennemie. Alors. Continuez à tirer. Il nous faut des renforts. Roule ou on est mort. Parlez. On est prêt à se déplacer. Section de mitrailleurs prête à bouger. On prend des tirs d'armes légères. On déplace la mitrailleuse. Section prête, on vous écoute. Ils ont investi un secteur, reprenez-le. Il va se passer quelque chose. Comme on va prendre ton secteur, c'est pas grave. Le camp groupe Leer a le soutien des Fallschirmjäger. Nous avons le soutien des Fallschirmjäger de la Luftwaffe. Ah, les hommes sont des traqueurs redoutables. Bien meilleurs que l'infanterie régulière, surtout avec des fusils d'assaut. Rassemblement. Vous allez voir, vous avez très vite aimé cette unité. Continuez de tirer. Vous avez reçu de nouveaux ordres. Transmettez le message. Ça va même devenir votre unité d'infanterie préférée. Le camp groupe Leer a encore prouvé sa supériorité. Changez de cible. On attend vos ordres. Les renforts se préparent. Transmettez-nous nos ordres. Section prête, on vous écoute. On va faire une maison de soins ici. Parachutistes, tenez votre position. Là, maintenant vous comprenez pourquoi ils sont si efficaces. Nous avons une nouvelle fois. Nous allons infiltrer l'ennemi et le détruire. Formation de bombardiers en approche. Scheisse, planquez-vous. Section, je sais pas où ça bombarde en fait. Allez-y, chef. Je vous ai des améliorations. Oups, j'ai oublié de capturer la zone. Les parachutages ennemis ont été repérés. Unité éliminée. Bah maintenant vous comprenez pourquoi je vous dis je vous disais qu'être bien positionné avec des mitrailleuses c'est très efficace. Les bombes butterfly sont désormais disponibles. Certains vont me dire que c'est de la triche. De toute façon, c'est ça qui est bien avec les gens, c'est qu'ils disent toujours parfois qu'on triche. Ah mais... Parce que uniquement parce qu'on y a pensé en fait. Oh, moi ça me fait toujours marrer en tout cas. Ah, bon. Alors, une information, les Fallschirmjäger sont furtifs. Quand je dis furtifs, c'est furtifs, vous les voyez plus. Quand ils sont... Ça se bonne quand même. Quand ils sont derrière un couvert. Donc une fois que vous savez ça, mine de rien, c'est quand même extrêmement utile. Parce que... Tenez bon, les bombardiers devraient laisser tomber. Une fois que vous savez ça, c'est quand même extrêmement pratique parce que les ennemis vont souffrir justement du fait de là. Parce que vous, par exemple, vous planquez une unité à un endroit... Par exemple, vous foutez l'unité à un endroit extrêmement logique. Par exemple, bah, vous savez que l'ennemi, on va prendre l'exemple là, on sait que l'ennemi prend toujours cette route-là pour venir. Il suffit que vous mettez des unités au bon endroit, vous faites l'embuscade au bon moment, vous allez exposer une armée complète d'infanterie. Parce que vous les aurez pris en sorte discrètement. Ils ne s'attendaient pas à un tel mouvement et hop. Voilà. Et c'est ça que vous devez viser en fait avec les troupes. Hein. Vous devez toujours viser en fait les petits mouvements stratégiques. Restez pas groupés. Infanterie d'élite de Fallschirmjäger en route. En formation, allons nous sécher à l'intérieur. Bon, aussi vous pouvez mettre dans des bâtiments, c'est très efficace. Après tout, ils apparaissent. Vous demandez d'apparaître soit dans les bâtiments en cliquant dessus, soit.
Si vous cliquez sur l'endroit de la carte, ils viennent par le point logique, donc là sur cette map là d'ici. D'ici, excusez-moi. Voilà. Non, ils viennent par votre bord de carte. Voilà. Honnêtement, c'est quand même sacré en pratique d'avoir. Bon, elle coûte cher, 420 points quand même une unité. Bon, une unité anti-infanterie. Plutôt bien en anti-infanterie. Que vous pouvez déployer où vous voulez. On est attaqué. C'est quand même magique ça. On veut dire ça a pas de prix. Hein. La transmission est touchée. Est partout. Vous pouvez parler, grenadier, appuyez-vous. On vous rejoint. Sur le champ de bataille. Nous avons détruit l'unité ennemie. Alors, très important. Les parachutages ennemis ont été repérés. Là, c'est pas un parachutage, je veux dire. C'est un planeur. Ah bah si, c'est un... On se déplace. L'orage est enfin là. Les roseliffs sont trop lâches pour voler dans le mauvais temps. Merci, c'est on se met en route. J'ai jamais été aussi content de voir établir un orage. Allez-y. Bon. On attend notre ordre. On va tout ramener au QG parce que là ils sont en train de se faire bombarder avec un mortier. Les renforts se préparent au combat. C'est horrible. On peut passer à vos ordres. Bon, je vous couvre. Où est le temps de renfort? Je pourrais dégager d'ici là, ça. Ah mais le lag, c'est... Ah, ça m'énerve. J'ai jamais auto-lagué en fait. Ah mais le retour bureau, je m'en souviendrai des retours bureau, hein, pour ce jeu. Essuyez les optiques. Nous perdons du terrain. Plein d'ennemis en approche. On essuie des tirs. Répétez. On voit l'objectif. Compris. Vous pouvez parler, chef. Sécurisez les tirs. On charge de position. Approchez-vous. Voilà, nous avons eu la médaille. Reculez, reculez. On se rassemble à la gare. Formez une ligne de défense dans cette zone. Vous pouvez parler, chef. On a ordre de rendre le combat. Dans ma stratégie, en fait, là où j'ai toujours un peu de problème, c'est à la gare. À cause justement de la défense ennemie. Hein. Ah bah voilà, justement le mortier. C'est le mortier qui pose problème en fait. L'élite des Falchion Jäger est sur cette unité ennemie éradiquée. Ils sont dans notre base. Ils attaquent notre base. Transmettez-nous nos ordres. On est notre cible. Ah là c'est planeur. Leur vie pour la mère patrie. Que voulez-vous? Heureusement que j'ai ces petits véhicules, mine de rien. Ils ont quand même sacrément fait leur boulot dans cette mission. Donc vous avez besoin de vous en haut pour plus tard. Combat engagé! On attend les ordres! Ils s'emparent du territoire allié. Cible détruite! On a notre attend vos ordres! Donnez-nous vos ordres de mission! Bon tant pis, un véhicule. Un véhicule, c'est pas encore trop grave. Je reçois un message. Des améliorations en plein combat. C'est des morts. Transmettez le message. On attend les changements de position. Voilà, c'est... C'est gagné. Je reçois un message. Résistance neutralisée. Grenadiers à vos ordres. Entrez soldats. Organisez notre défense à l'intérieur. Relevé. Grenadier d'assaut en déplacement. Notre aviation a déployé des bombes Firefly. Butterfly, excusez-moi, des Butterfly.
Ce sont des petites bombes volantes. Et dès qu'il y a une unité d'infanterie à côté, ça la terrasse. C'est une bombe. En réalité, c'est une mine. Donc quelques unités qui passent dessus, elles explosent. Mais quand c'est des petites unités bien légères, elles ont mal. Oups, excusez-moi, mauvais clic. J'ai fait un clic souris et un couvert à droite, là, voilà ce qui se passe. Désolé. Voilà, j'adore cette petite bombe parce que c'est mine de rien, c'est énervant quand vous en avez en face. Parole de connaisseur. L'ennemi bat en retraite et son assaut a été repoussé. Tenez vos positions, ne lancez pas d'offensive. Eh bien, nous avons accompli cette mission, bon, avec quelques lags et quelques petits soucis dus à Skype, mais bon. Sinon, nous avons réussi tous les objectifs, que ce soit les objectifs principaux, qui étaient de défendre au final. Les objectifs secondaires, ben, qui étaient de capturer la colline et de neutraliser leur tir ennemi. Et nous avons eu aussi l'insigne d'assaut de la Luftwaffe pour avoir volé le ravitaillement ennemi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois, et vive le jeu vidéo.